passage pour la sèche à la turlute. Alors, avec le plan en bas et la turlute en haut. Voilà. Donc on est à peu près à 30 cm. Et au-dessus, on va lui mettre une petite turlute orange. Là, on pêche en dérive avec des plans de 20-30 grammes dans des fonds de 5-6 mètres. Donc voilà, on vient d'arriver, on va voir ce que ça va donner. Ah, Herbounon. Non, c'est pas important ça. C'est la fausse alerte. La canne s'est pliée, mais c'est le fond. Peut-être qu'on est sur un peu plus de la roche par rapport à tout à l'heure. Voilà, ça nous permet d'avoir, vous voyez, un petit bas de ligne en décalé. Pas sûr que j'ai encore tout. On a vu tout cassé. Ah non, ça va. C'est toujours là. Ah, il y a du. La roche. Hein. On n'est pas cassé, c'est déjà pas mal. Du coup, là, on a trois cannes en dérive. On va voir un peu ce que ça va donner. Donc là, on dérive avec un petit vent de nord. Et du coup, on laisse les cannes dans les porte-cannes, après on travaillera un peu dessus, mais pour l'instant on les cale comme ça. Et on va gratter dans le sable pour la sèche. C'est beaucoup comme ça que ça se pêche ici. De l'eau, ben, tiens. Un peu dessus. Je sens le chevreau qui est rentré. Ah, c'est un tout petit coup de tête. Ça pourrait être quelque chose. Quel bordel. Ah, j'ai pris mon autre canne. Non, non, elle est sèche. Un poulpe encore. Encore un poulpe. Ah. Je pense que c'est encore un poulpe, ça. Troisième. Il est là. Et les enfants, un troisième poulpe. Olive. On peut perdre la journée. Nous, il est pas content. Pas content. Ah putain. Tu veux garder? Moi, je les relâche, plus cher. Olivier.
regardez. Tant Bruno veut le garder, mais on va le relâcher. Ouais, je triche. Nous, les poulpes, c'est nos amis, les pauvres. Ouais. C'est mes amis quand ils sont dans la marmite. Ah, mais nous, on n'aime pas les tuer. C'est vrai, ouais. Ah ouais. On n'aime pas les tuer, nous, les poulpes. Je les tue pas, je les mange. Oui, d'accord. Ah, regardez, on va le relâcher. Oui. C'est de roche en plus, ouais. Ah ouais, il est beau. En plus, ils sont en voie de disparition, les poulpes. Bruno, c'est pour ça que je relâche. C'est vraiment en voie de disparition. Regardez. Oui. Franchement, c'est pour ça. Les sèches, on les garde, mais les poulpes. Papa, oui. Il m'a accroché avec ses ventouses. Moi, je pensais pas que ça accrochait. J'avais dit à tonton Bruno, c'est un poulpe. Hein. Moi, je pensais pas que ça accrochait Bruno. Tu veux manger? Oui, mesdames. Plus de roche, hein? Non. Tiens, Olivier. On les mange pas, les poulpes, c'est le. Mais non, ils mangent pas. On les relâche. Ah, nos copains, c'est tout le temps le même, tu sais. On dirait. C'est toujours le même. Non, c'est pas toujours le même. Regarde. On va serrer les chasseurs. Et au revoir mon copain. J'espère que je vais plus haut. Allez, parce que tu veux, j'attends. Ah, c'est pas. Tu le veux? Parce que tu veux les garder tous, oui. Non, on le relâche. Relâche-le. Les enfants, regardez. Olivier. Viens te faire attraper par les. Hop là! Allez mon copain! Ah, il a jeté de l'encre! Eh ben oui! Hein.